3 pierres, 4 pierres. Me voilà. Je t'ai vu. Je t'ai vu, Moustique. Je sais que t'es derrière le rocher. Sors de là. Allez vite, sors. Oh, je parais que tu m'as pas vu, tu mens. Si, je t'ai vu. Dépêche-toi, c'est pas de jeu. Je t'ai vu te cacher derrière le rocher après que j'ai dit 5. C'est pas bien tricher, c'est pas juste puisque je t'ai vu. C'est très vilain. Oh, ne pleure pas, Lilibelle, elle t'a sûrement vu. En tout cas, moi, je vois quelqu'un venir. Salut les enfants, vous vous amusez bien? Est-ce que vous habitez ce village? Bien sûr. D'où est-ce que tu viens? Je viens du village qui est derrière la montagne de feu. Et pourquoi est-ce que t'es venu d'aussi loin? Je suis venu pour voir un vieux sage qui s'appelle Cléobule. Oh, Cléobule, il habite là, derrière la pierre. Ça, c'est sa porte. C'est lui qui écrit et qui lit pour le village. Cléobule, t'as un visiteur. Cléobule, Cléobule. T'es là, Cléobule, il y a quelqu'un qui veut te voir. Il est trop tôt, beaucoup trop tôt. Je suis fatigué, j'ai travaillé toute la nuit. Allez-vous-en! Si c'est un visiteur, dites-lui de s'en aller. Et si c'est Fortos qui a fait un autre poème, dites-lui que je m'en occuperai demain. Ouais, ouais. Par le grand barbichot, vous êtes fous de me réveiller comme ça! Hein? Et vous là, qui vous êtes-vous? Hein? Je vous salue, maître Cléobule. Je vous apporte le salut de mon père. Oh. Je m'appelle Malin et je suis le seul fils de Pitacus. Pitacus? Tu arrives du village derrière le volcan? Tu veux dire que tu es le fils de mon vieil ami Pitacus? Eh, c'est ça. Oh, ben alors entre vite, tu es le bienvenu. Merci beaucoup. Allez, entre, entre, mon petit Malin. Par le grand Barbichu, alors tu es le fils de mon vieil ami Pitacus. Oh, 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 mais tu es un grand garçon, un grand et beau garçon, bien bâti et tout. Merci beaucoup, maître Cléobule. Mon père me parlait tout le temps de l'époque où vous faisiez vos études ensemble. Mais oui, nous étions camarades d'études. Et c'est pourquoi il m'a conseillé de venir vous trouver, maître. Je veux étudier les étoiles, et il m'a dit que vous seul pouviez me conseiller. Les étoiles, hein? Mais oui, je vois, je vois. Oh, c'est un sujet très intéressant. Oui, mon père m'a dit que vous étiez un expert et que peut-être vous me prêteriez des tablettes. Eh bien, j'ai fait quelques observations, j'en ai mis les résultats par écrit, j'ai fait aussi quelques dessins, des constellations, je serais très heureux que tu les consultes. Oh, allons jouer. Et comment va ton papa? Oh, il va bien, maître, mais ses yeux ne sont plus aussi bons. C'est pourquoi j'étudie pour lui succéder. Tu apprends pour succéder à ton père. Oh, comme c'est bien. Oh, comme c'est bien. Ouais. J'ai trouvé des tablettes qui m'intéressent. Est-ce que je pourrais les emprunter? Mais prends celles dont tu as besoin. Alors, tu veux succéder à ton papa? Quelqu'un qui veut vous succéder quand on est vieux? Ah, quel réconfort. Merci de votre bonté, maître. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Un bon souvenir à ton père. Merci beaucoup, maître. Au revoir. Non, mais tu n'as pas besoin de t'appuyer chaque fois que tu dis merci, allez. Merci, maître. Voilà, c'est au revoir. Oh, mais tu ne t'es pas fait mal. Non, 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 merci, maître, merci. Il en a lourd à apprendre. Ses études vont le mener loin, ce gamin. Mon vieil ami a bien de la chance d'avoir un fils comme ça. Ah, si Roman était comme lui. Mais c'est un bon à rien! Roman, qu'est-ce que tu fais? Je consolide les murs de ma maison, Pom-Pom. Je ne veux pas que la pluie entre durant mon absence. Je vais être bien seule pendant que tu seras partie.
Je ne vais pas être parti pour plus de 2 jours. Je vais me promener un peu par-ci, par-là. Mais il n'est pas trop tard pour que tu partes. Il va bientôt faire nuit. La lune éclairera ma promenade, c'est suffisant. Tu ne veux pas m'emmener? Une autre fois, peut-être. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Et si je mourais, aucune tablette me tombe sur la tête. Qui s'occuperait de la lecture et de l'écriture? Qui continuerait mon œuvre? Oh, question angoissante. Oh là là. Il faut que j'enseigne mon savoir à ce bon rien de roman pour qu'il me succède. Roman, il est tard, tu sais. C'est exact. Par le grand barbichu, il est même très tard. Roman, j'ai supporté pendant trop longtemps tes vagabondages à travers le monde. Moi, j'avais pensé que ça t'aiderait à devenir un homme, mais ça t'a seulement donné le goût de la bougeotte. Et maintenant, tu ne veux plus rester au village. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je vais devenir? Mais père, que je fais de mal? Dites-moi. C'est plutôt que tu ne fais pas ce que fait le jeune malin. Qui est malin? C'est le fils de mon vieil ami Pittacus. Il étudie, lui, pour pouvoir succéder à son père. Je ne veux pas étudier. Hein? Tu es un fils ingrat, un vrai bon à rien! Ce n'est pas la peine de discuter. Je fais mes études à ma façon, en me promenant. Roman, attends! Je veux que tu étudies avec moi. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Au revoir. C'est bon, va-t'en et qu'on n'en parle plus. Je vais t'accompagner un peu. Mais il faut que je trouve un élève, il faut que je trouve quelqu'un qui me succédera. Pourquoi je n'ai pas eu un fils comme Malin? Oh, je n'ai pas de chance. Mon fils est un bon à rien. Quelqu'un qui puisse me succéder, quelqu'un qui veuille apprendre l'histoire et les merveilles du monde. Un élève qui me succédera, il faut que je trouve. Il doit bien y avoir quelqu'un, quelque part. Bonjour, Cléobule. Il n'est pas bientôt pour que vous soyez déjà dehors. Vous ne trouvez pas qu'il fait beau? Je veux votre lessive. Je veux un successeur. Elle n'est pas encore finie. Quoi? Tu veux être un élève? Oh là non! Tu veux être mon successeur? Non, il n'en est pas question. Non, je veux trouver quelqu'un, n'importe qui, mais quelqu'un. Je veux un élève! Un élève. Pour raconter les choses de la vie, il faut les écrire. Si personne ne les écrit, personne ne les connaîtra jamais. Oh, mon pauvre Azor, si on ne lit rien à ton sujet, on ne se rappellera même pas de toi. Cléobule! Eh, Phorcos? Oui. Ah, Phorcos. Bonjour. Bien sûr, gros comme il est, il doit avoir un gros cerveau. Ouais, mais ça, un gros cerveau plein de vide. Ah, il y a bien quelqu'un, quelque part, quelqu'un à qui apprendre. On va voir qui souffle le plus loin. Je vais souffler sur le mien. Et comment tu vas pour le souffler? Où tu vas? Vous allez voir. C'est loin. Je soufflerai plus loin que vous. Oh, bah dis donc. Coucou, tu nous as tous battus. Oh, ben ça, c'est pas bête.
Il a utilisé le vent de Morel et plus loin que les autres. Il s'est servi de son cerveau. Oh, il serait peut-être un bon élève. Et voilà. Ça va tomber. Alors, Cléobule, explique-moi pourquoi tu veux prendre Koum Koum comme élève. J'ai besoin de quelqu'un qui marche sur mes traces, bras de fer. J'ai un fils roman, mais il est toujours par manger, par dos. À quoi sert de savoir lire et écrire s'il n'y a personne pour continuer? L'histoire de l'âge de pierre sera oubliée à jamais. Cléobule, veux-tu te désaltérer? Là, je fume, mais... Ah oui, je veux bien. Tiens, prends moi? Ça. Oui, 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 vas-y. Ah, bah, très bien. Allez, à ta sortie. Ça serait une bonne chose pour le village si on pouvait trouver quelqu'un pour qu'il apprenne ta science. Et c'est pourquoi j'aimerais apprendre tout à Koum Koum. Prendre mon fils comme élève? Tim Tim, lâche ça, tu entends, Tim? Tu ne trouves pas qu'il est bien jeune pour ça? Plus on commence tôt, plus on l'apprend. Il faut donc commencer très tôt. Koum Koum est fort, il est malin, c'est parfait. C'est vraiment aimable à toi de penser à mon fils, mais je ne sais pas si... Et toi, qu'en penses-tu, Flora? Je crois que ça lui ferait beaucoup de bien de travailler avec un tel professeur. Koum Koum, viens près de nous un moment. J'arrive, papa. Écoute-moi, est-ce que tu aimerais étudier avec Cléobule et apprendre tout sur les merveilles du monde? Qu'est-ce que ça veut dire, étudier, papa? Eh bien, ça veut dire... Ça veut dire que tu iras voir Cléobule tous les jours et qu'il t'apprendra plein de choses merveilleuses. Oui, c'est exactement ça. Si ça veut dire qu'il me racontera plein de choses tous les jours, je veux bien y aller, d'accord? Ah, parfait, tu es un brave garçon. Ah, ça y est, j'ai trouvé un élève, ça y est. Maintenant, j'ai quelqu'un pour me succéder. Oh, je suis bien content. Oh, que je suis bien content. Eh bien, mon petit Koum Koum, nous allons commencer tes études, mais d'abord, je dois te dire que ce n'est pas facile d'étudier. Il va falloir te concentrer et que tu travailles très dur. Est-ce que tu me suis? Très bien, mon garçon. Il va falloir que tu apprennes tout ce que je sais pour que tu me remplaces. Ce sera toi le grand sage du village. Et tout le monde viendra te consulter, mais il faut que tu travailles avec acharnement. Oui. Parfait. Je suis sûr que tu seras un très bon élève. Allez, suis-moi. Voilà les premières tablettes dans lesquelles tu vas étudier. Ah, ne la laisse pas tomber sur tes pieds. Non, non. Et maintenant, à la suivante. D'accord. Porter les pierres va te rendre aussi fort que moi. Oui. On lève, on pose. On devrait en prendre deux. Ah oui, c'est une bonne idée. Enfin... Aux autres maintenant. Aux autres. Et deux de plus. Et hop là, je crois bien que ça va suffire comme ça. Ça là, ouais. Tu sais, Cléobule, je trouve que c'est amusant d'apprendre des choses. Apprendre? Mais tu n'as encore rien appris du tout. On prépare seulement les tablettes pour commencer à apprendre. Ah! Mais je pensais que j'avais fini pour aujourd'hui. Alors regarde, ça ce sont les étoiles qui brillent dans le ciel. Mais quand on écrit sur ces choses, on emploie ce qu'on appelle des symboles. Ça c'est une montagne, ça tu vois c'est une rivière. Oui, là, on fait simplement un dessin qui fait penser à l'eau qui court. Alors ça c'est une étoile et ça c'est la lune. Et tu as compris, Koum Koum, tu vas être un élève très brillant. Dis-moi, Cléobule, quel âge t'avais quand t'as fait pousser ta barbe? Mais ça n'a rien à voir avec ta leçon. Bon... Les étoiles sont faites d'une matière qui les fait briller dans le noir. En regardant les étoiles, on apprend beaucoup de choses. Elles peuvent aussi te dire pourquoi on a mal dans le dos en les regardant. Les étoiles sont très intéressantes à étudier. Oh, viens, viens vite. Sortons et allons les regarder. Ah, oh là là. Écoute bien, et certaines étoiles ont un... Des noms comme eux, hein? Et on ferait mieux de rentrer, je ne sais pas pourquoi, mais quand je regarde les étoiles, j'éternue. Allez, viens! Écoute bien, les étoiles ont un rapport avec le soleil, et le soleil a un rapport avec la lune, qui a elle-même un rapport avec... on ne dort pas quand on étudie, hein?
rivière est mouillée parce qu'elle est faite avec de l'eau. Ne t'occupe pas d'eux, écoute-moi. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et alors la lune se lève à son tour et coucoum, coucoum. Arrête tout de suite, reviens ici, finir d'apprendre ta leçon. Allez, reprenons. La première étoile à l'est se trouve toujours à côté de celle-ci. C'est pourquoi je les appelle le jeune couple. Et cette autre étoile qui se trouve toujours entre elles, je la nomme la belle-mère. C'est très intéressant. Alors la petite étoile, je l'appelle le bébé. Et chaque fois que tu la regardes, elle te fait un clin d'œil. Léobule. Hein? Ah, tu gardes ce pot sur la tête comme punition, hein? Léobule, est-ce que je peux aller chercher un peu d'eau? De l'eau? Mais oh, j'espère que tu ne seras pas trop loin. Allez, vas-y vite. D'accord. Oui, ce gamin. Moi, je trouve qu'il met bien longtemps pour boire. Ou je vais aller chercher. Il est en train de parler de moi. Je vais mettre deux pots sur la tête. Comme veux-tu revenir? Oui. Comme comment s'est bien débrouillé hein, pour t'arracher aux griffes de Cléobule? J'ai réussi à échapper à Maître Cléobule. Tous ces gamins sont des ingrats. C'est impardonnable. Me traiter de cette façon, aucun respect, ou des petits bandages. Alors comment ça? Allez, on va plus facile. Allez, voilà. Coum, coum, descends. Descends tout de suite. J'ai mal à ma tête, j'ai mal, j'ai mon estomac qui aplati, mes mains sont raplapla, mes bras sont raplopla, youlala. Père, c'est ta faute, tu n'aurais jamais dû prendre Koum Koum comme élève. Oh non, tu es revenu, tout ça c'est à cause de toi. Oulala, oulala. Père, tu aurais dû savoir que Koum Koum n'est qu'un enfant, il est bien trop jeune pour être ton élève. Ce que tu dis est stupide, quand j'avais l'âge de Koum Koum, j'étais déjà très savant et j'ai encore la tablette avec mon diplôme gravé dessus. C'est bien vrai, ça? Est-ce que tu crois que je suis capable de mentir, espèce de voyou? Attends, attends, Roman, non, non, attends, mais où tu vas, là? Ah non! Ne touche pas à ces tablettes, hein! Ce sont mes affaires personnelles. Ce sont les histoires de la famille. Oh non, 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 pas celle-là. Non, Roman, ne touche pas à celle-là, c'est ma... Oh là là! Ce journal que mon grand-père tenait sur la famille et dans lequel il raconte un tas de choses sur mon père Cléobule, alors qu'il n'était qu'un petit garçon de l'âge de Koum Koum. Oh non, passez-le là. Non, non, vraiment, passez-le là. Et d'après mon grand-père, voilà ce que je lis. Mon fils Cléobule ne sait faire que des bêtises. Oh. Tous les jours, il en invente une nouvelle. C'est vraiment un garçon impossible. Oh. Oh, j'ai honte, j'ai honte. Mon fils s'enfuit dès que je veux le faire travailler et lui apprendre quelque chose. Oh, que j'ai honte. Oh, la seule chose qui l'amuse, c'est d'essayer d'attraper les flamipuches. Il est en retard pour dîner et il fait encore pipi au lit. Moi, j'ai fait... Oh, que j'ai honte. Que j'ai honte. Koum Koum, on va arrêter les études pendant un moment, qu'en penses-tu? Je crois qu'il est temps de partir, Roman. Je crois que c'est préférable, en effet, oui. Allez, venez, les enfants. Tu sais, Flora, je suis désolé pour le pauvre Cléobule. Au revoir, père, bonsoir, et pardonne-moi. Tu sais, j'ai essayé d'être un bon élève. Oh oui, je sais, Koum Koum. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. C'est quand même drôle pour le vieux Cléobule. Oui, mais tout le monde a été petit. Papa, je me demande si tu as été comme lui. Et si tu faisais pipi au lit? Je te le dirai pas. Qu'est-ce que tu fais, Koum Koum? Je regarde des étoiles, papa. Des étoiles? On appelle les deux étoiles à l'est le jeune couple. C'est Cléobule qui me l'a dit. J'étais un bon élève.
さて、次のお話は恐竜サウルスは絶対強いと信じているクモクモク。だがアロンは育児なしだという。そこへサウルスを倒すために現れた怪しい男たち。次回、怒れ恐竜サウルス。お楽しみにね。